De monter constamment. Ça, c'est ce que le tafkid de l'homme. Le tafkid de l'homme, c'est ce qu'Hachem il attend de l'homme. Hachem a donné à l'homme tout ce qu'il fallait, tous les kelim qu'il fallait, la neshama qu'il fallait, les midot qu'il fallait, l'entourage qu'il fallait. Bon, alors là, il a tout donné à l'homme. Il a tout donné de ce qu'il lui fallait pour arriver à faire sa avoda, l'avoda qu'Hachem il attend de lui. Bien fait. Maintenant, le souci de l'homme, ça doit être la halot. Il faut monter l'échelle. Comme Yaakov, il a vu l'échelle, il faut monter l'échelle. Il ne faut pas rester sur place, pas calcheken, ne pas descendre. Il faut monter. L'autre est sous là. Sur ça, on le dit, on le répète. Il n'y a pas de rapidité, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de... Tu n'as pas demandé d'arriver jusqu'au bout. Tu n'as pas demandé d'aller vite. Tu n'as pas demandé de finir maintenant. Tu n'as pas demandé tout ça. Mais on t'a demandé de monter. Ça veut dire que, si on comprend bien Rabbi Yonah, le souci doit être de me protéger des choses qui risquent de m'empêcher de monter. Pas de me soucier de la vitesse à laquelle je monte. Pas de me soucier d'atteindre l'objectif. Pas de me soucier de voir comment je monte ou comment je ne monte pas. Non. Ça ne te regarde pas. Il y a plusieurs méthodes. Toutes les méthodes sont bonnes. Il y a plusieurs méthodes dans le Moussa, on sait très bien. Plusieurs méthodes dans l'Ashkafot, on sait très bien. Il y a plusieurs drachim, plusieurs chitot. On sait très bien qu'il y a plusieurs chitot. Chacun a le derrière qui lui convient, le derrière qui vient pour lui. Par contre, un inyan qui est commun à tout le monde, chez En Chiloukim Bézé, que ce soit Hasid, que ce soit Litaï, que ce soit Braslav, que ce soit Svarat, que ce soit Lomshanema, ouais, tu dois avoir constamment le souci, la halot, monter. Le souci de monter. Voilà ce que tu dois inventer. C'est-à-dire de faire attention, de te protéger, Kabirchol, comme il ramène le Messie dit à chaque fois, mais à Gormim, des choses qui pourraient entraîner Chaz Shalom de ne plus avoir cette Shifa de monter. Voilà, ça tu dois te protéger de ça. Dès que tu vois, à un moment donné dans ta vie, pour quelque raison que ce soit à cause de la chevra, tes amis, tes fréquentations, soit à cause de l'environnement, l'ambiance, soit à cause de la famille, l'homme, je ne sais pas quel exemple vous donner, tout ce que vous pouvez imaginer autour de vous, d'accord, qui pourrait devenir un handicap à ta alia, ça automatiquement, ça doit devenir pour toi ton oyev. Pourquoi ? Pas proprement dit oyev, parce que ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ta propre famille. Pas proprement dit oyev. Oyev dans le sens où khalid des choses. Comme là que je dois maintenant me protéger de ça. Me protéger et faire attention que cette chose-là risquerait, haz shalom, d'entraver ma alia. Donc moi je dois avoir le souci constamment, l'un à l'autre, l'un à l'autre, l'un à l'autre, sans être bichlal dérangé par qui que ce soit qui pourrait venir arrêter ma shifa de monter. Adam shelo shoef la alot, ken, c'est Adam met. C'est un homme mort. Il est mort. Rouhani, il est mort. C'est un homme, ça, il est plus là. Il n'y a plus rien à attendre de lui. Il n'y a plus rien à tirer de lui. C'est un dame besakana. C'est un homme qui besakana. Pas seulement de ne pas monter, mais de tomber. Parce qu'il m'attend le relais à Tayoret. C'est comme ça marche. Donc, elle n'est pas vicoire. À partir de ce yesod que nous donne Rabbi Yonah, la question est puissante. Si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on veut de Korach? Korach, c'est clair. En safek kabotai. Il est venu avec cet hashkafa. Il vient avec cet hashkafa, la halot. Vous rotez la halot. Et là, il sent qu'aviachol, qu'il y a une marechet qui est posée ici devant moi, que je n'arrive pas à comprendre. Mais cette marechet, elle a comme effet d'empêcher ma alia. Comme tu dirais la hiérarchie, comme tu dirais les postes, les données, c'est des données, c'est comme ça, c'est les règles. C'est les règles du jeu. Ouais. Il y a un Moshe Rabbeinu, il y a un Aaron. C'est tout, c'est comme ça. Il y a un Kohen Gadol, il n'y a pas deux. Il y a un Moshe Rabbeinu, c'est un Manig, il n'y en a qu'un, il n'y a pas deux. Quand Bonen, Mistakel à la Marechet, il ne comprend pas, il dit, mais cette Marechet, elle m'empêche de monter. Il m'en a appelé, mais il est à l'autre. Pourquoi? Parce que moi, je veux être Moshe Rabbeinu, je veux être Aaron à Kohen, je veux être ce qu'il y a de plus proche d'Hachem, dans la mitzvah de ce qui existe dans ce monde. Maintenant, cette chose-là s'appelle Aaron, alors c'est Aaron. Pas le bonhomme, ne m'intéresse pas chez Barry. Moi, je ne regarde pas le bonhomme. Je regarde, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire, ce niveau dans l'échelle s'appelle Aaron. Je veux arriver à ce niveau-là. Ce niveau dans l'échelle s'appelle Moshe Rabbeinu. Je veux arriver à ce niveau-là. Et c'est ça la démarche de Korach. Korach vient par marche pour dire, je veux arriver à ce niveau-là. Et qu'à partir de là, on ne va pas lui reprocher.
On ne peut pas lui reprocher à Korar de dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Korar ? Mais sois content de ton sort, sois sa mère Bechelgo, tafsik les chaguettes, anachim, brûlé. » Ça, c'est me dire d'une autre manière qu'il ou arrête d'avoir des chiffotes. On ne peut pas me reprocher pourquoi j'ai des chiffotes. Et si j'ai des chiffotes, et que ce soit, quoi que ce soit, viendrait m'arrêter, oh, il va voir. Ça peut être même ton rave. Ton rave peut devenir le satan qui te bloque dans tes chiffotes. Comme ici, je me reproche à Moshe Rabbeinu, et lui-même, il lui dit à Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu a eu la chifa de rentrer en Eretz Israël, je lui dis à Moshe Rabbeinu, Rav Lecha. Alors l'abbé dit, pourquoi il lui dit comme ça? Vas-y, Rav Lecha. Putain, ça lui fait rappeler quelque chose à Moshe Rabbeinu. Tiens, j'ai entendu ce mot-là quelque part. Il dit, ce mot-là, c'est pas la première fois que j'entends. Rav, Rav, Rav. Je me rappelle. J'ai dit ça à Korach. Rav Lachem, Ben Elivi. Et alors, pourquoi il me dit ça maintenant? Parce qu'il veut me faire ressentir ce que j'ai fait ressentir à l'autre. Quand j'ai dit à Korar, Rav Lachem ben Lévi, qu'est-ce que Korar a ressenti? Il a ressenti ici comme si on lui mettait un marsol devant lui. Alt, Altkan. C'est où? Tu ne peux pas aller plus loin que ça. Donc tu m'empêches dans mes chiffons. Attends, c'est roti. Ça, c'était mortel. C'est un assassinat, ça. C'est un assassinat plus grave que de tuer quelqu'un physiquement. Parce que quand tu tues quelqu'un physiquement, attends, orgo. Il a fini de lui compter sa vie. Il va pas là bas. Avant le martyro, pour bémettre ta oregoto. Alors qu'il est vivant, il reste vivant. Et tu l'as tué. Pourquoi? Parce que Beolochaniou, c'est fini, tu as fini sa carrière, il n'a plus rien à faire maintenant, le beau. Il n'a plus rien à faire. Combien il faut, beaucoup de ziroutes, Rabotaï, dans les bitouim qu'on dit, dans les phrases qu'on va exprimer, dans les paroles qu'on va dire. D'autant plus si tu as la responsabilité en tant que rab. Combien tu dois faire attention à comment tu parles, Eratam Daber. Il suffit d'un mot, d'une expression, d'un regard qui donne l'impression, Chas Shalom, à la personne chez Adkan. Wow, quel retsar il peut y avoir ici. Il peut y avoir un retsar noir. Et Kaviachol, on reproche à Moshe Rabbeinu d'avoir eu un retsar. Seulement, regardez, ça, c'est pas la Nekouda essentielle que je veux développer. La Nekouda essentielle que je veux développer, c'est comme ça. C'est que Moshe Rabbeinu, le Maasé, se trouve devant Korar qui vient avec une milhama, avant milhama, la Shem. Ce n'est pas milhama, la Kavod ou la Kesef ou la qui sait, comme à la Knesset, ils sont en train de se bagarrer, qui sait qu'elle qui s'arrange là-bas. On ne parle pas de ça ici, en Moshe. Ici, on parle de milhama, la Shem. C'est-à-dire que c'est une course vers la Shem. On veut monter le plus haut possible. Et donc Korar, il vient sans cadeau à personne, comme un samouraï. Il est prêt à tuer tout le monde, il est prêt à couper les têtes. Avec ça, il faut que je passe, il faut que j'arrive à atteindre Bola Olam. Et là, Moshe Rabbeinu dit Piton quelque chose qui est très surprenant. Je sais pas, l'homme est venu, ma oumère. Regarde, je vous dis dans le passé, qu'est-ce qu'il dit là-bas. Il dit comme ça, Moshe Rabbeinu. Il dit Vaïhar le Moshe me'od. Moshe a pris très peur. Ça l'a énervé énormément. Vaïhar le Moshe me'od. Il est rentré dans un courroux, Moshe Rabbeinu. Vaïomer el Hashem. Il se tourne vers Hachem, il dit à Hachem, Al tefen el milchatam. Bon, Olam, je t'en supplie, n'accepte pas leur offrande, n'accepte pas leur prière, n'accepte pas ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi il dit ça? Pour qu'il y ait une avamina que Hachem va accepter. Quand tu vois des bonhommes qui viennent faire la guerre contre le Hémet. Quoi? Il y a une avamina que Hachem va accepter ça? Mais si c'est contre le Hémet, Hachem ne peut pas supporter ça. Chotam pour Hémet. Bon, Olam, c'est le tampon du Hémet, tu rigoles quoi? Il voit un chakran devant lui, il peut pas l'utiliser. Pourquoi Moshe Rabbeinu s'inquiète? Et regardez ce qu'il dit là-bas. La phrase commence comme ça. Ne va pas accepter leur offrande, ne va pas te tourner vers eux. Regarde la phrase qui continue. Est-ce que j'ai demandé une fois un hamor? Est-ce que j'ai profité de qui que ce soit jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'il est en train de dire Moshe Rabbeinu? Le Midrash Rabbah, il dit que Moshe Rabbeinu, il parle ici que lorsque Hachem s'est dévoilé à lui au puissant ardent, voyez dans le désert, et qui a dit, c'est toi Mashiach, c'est le Mashiach de l'homme Israël, c'est toi qui dois aller défier Israël en Égypte. Et Moshe Rabbeinu, donc, il a été demandé l'autorisation à Yitro, Bakavot, Eretz, il a pris la route. Donc il a pris son hameau, il a pris Sipora, il a pris ses enfants, il a pris la route pour aller en direction de Misraïm. Et là, il dit Moshe Rabbeinu, il est en train de dire comme ça, n'accepte pas leur offrande, n'accepte pas leur prière. Et comme si il va donner un argument pour ça. J'ai un argument pour ça. C'est quoi? J'ai pas demandé qu'on paye le taxi. Vous comprenez ce qu'il dit? Quel taxi? Ah bon, à l'époque de Hamor, c'est le taxi. Quoi.
Il parle dans son langage. Là, quand je l'engage, je vous jouez ces taxis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, et j'ai jamais demandé qu'on me paye le taxi. Je l'ai payé de mon propre argent. Nous, et si tu avais payé le taxi, tu n'aurais pas pu faire cette prière-là? De dire, n'écoute pas les prières de Korach. Il ressort du pasouk, mais que là va ta chemin là. Ta chemin. Que quoi? Non. J'aurais pas pu le dire. Pourquoi j'aurais pas pu le dire? Pourquoi j'aurais pas pu dire ce que je suis en train de dire là si on m'avait payé le taxi? Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus naqui. Celui qui est neki kapaim ou bar levav, le cœur circoncis. C'est bar levav, sans rien. Mais répondons chez l'homme, hein, c'est quoi le chat? Quoi, tu n'es pas naki si on t'a demandé qu'on paye le taxi? Est-ce que c'est émettre ou pas émettre quand un rave, on le déplace et qu'il demande qu'on lui paye le taxi? C'est émettre ou pas émettre? Pas que c'est émettre. Parce que si c'était pas émettre, Mandekarchmé, qu'est-ce qu'il y a besoin de le dire ça? La Torah, elle n'a pas besoin qu'on la remplisse avec des dishtuyotes. C'est ce qui est évident, on a besoin de le dire. Zvara la malikra. Et là, on va se dire que c'est émettre. Alors c'est émettre, pourquoi tu dis ça, mon cher Abenou, comme si c'est un reproche qu'on aurait pu te faire. Et que par rapport à ça, tu n'aurais pas pu arrêter Korach. C'est que là, la Torah nous sort ici un chidouche atsoum. Il ressort de ce passage que Moshe Rabbeinu est en train de dire la chose suivante, que si jamais Chas v'Shalom, Moshe Rabbeinu avait demandé qu'on lui paye le taxi, il n'aurait pas pu arrêter Korach. C'est aujourd'hui, Korach aurait été le manigador. Ça aurait été lui qui prend la place de Moshe Rabbeinu. Non, Rabbeinu. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas une petite affaire ce qu'on est en train de traiter là. Nous, on croit que c'est une petite mahloquette comme ça, de voyous ou de quartier qui sont rentrés comme ça, et il est en train de falloir faire la pagaille, ils veulent casser la rasta avec lui, ils sont en train de s'énerver, ils ont la police, ils sont sortis dehors. Non, on ne parle pas de ça ici, rapidement. On parle de Anakim, je sais pas, Anakim, qui sont en train de faire un vicoire, qui est un vicoire très. Bichlal ou Pachout. Et là, il nous dit que ce qui aurait pu faire basculer la chose, c'est si j'ai pris l'argent du taxi. Et ça s'appelle quoi? Naki. Être naki. C'est quoi le pchat en bouteille? Le pchat, c'est comme ça en bouteille. Ça, c'est un peu un mot, mais j'espère que je vais réussir à vous le faire comprendre. Rabbeinu a dit comme ça. La notion de naki ou bar levav veut dire que je suis arrivé à un stade où ce que je revendique fort peut être juste et acceptable uniquement si tu es naki ou bar levav. C'est quoi être naki ou bar levav? C'est-à-dire n'avoir aucun ratson à part ce que je suis en train d'exprimer. C'est-à-dire, quand moi je dis par exemple comme ça, ouais, mon père il me prend la tête. Il me dit, écoute mon coco, tu es mon fils, je suis ton père, ouais, d'accord? Tu dois comprendre qu'après avoir fait un an, deux ans de Yeshiva, tu prends les études, tu vas la réguler et c'est fini. Allez, darda. Maintenant, toi, tu dis, non. Avec tout le respect que je te dois, papa. Attention, je prends sa main. Avec respect. Pas parce que tu ne veux pas que tu vois la suite de ton père, quand même. Respect. Mais en attendant, tu lui as dit non. Alors attention, ce que tu revendiques là, et ça, c'est un binyanav que vous devez faire dans tout dans la vie. Hein. Dans tout. Tiens, un vicour avec qui que ce soit. Ça va être, demain, c'est ton père, demain, ça va être ta femme, après, ça va être ton rab, après, ça va être le rochaïr, le je sais pas ce que tu veux. Donc, Chanek, qui c'est qui sera devant toi demain dans la vie? Ouais. Ton associé, le Chanek, mi ou ma. Dès que dans la vie, tu rentres dans un vicour, tu revendiques quoi que ce soit, tu rentres dans un vicour avec quelqu'un, ce que tu es en train de dire, Nachon, et Emet, à condition que tu sois naki. Si tu n'es pas naki, mi odea, pourquoi tu dis ça? Qui va savoir qu'est-ce que tu as derrière la tête? Qui va savoir combien tu es chalem et aimé avec ce que tu es en train de dire? Pas qu'on est en train de se soupçonner que tu es un menteur. On n'est pas là, on ne traite pas les gens de menteurs comme ça, c'est mal placé. Qui tu es pour me traiter de menteur? Pourquoi je te traiterai pas moi de menteur à toi? C'est pas là qu'on est. On est en train de parler ici de l'absolument vrai. On n'est plus dans le mensonge humain, on est dans l'absolument vrai. Absolument vrai, c'est vrai que si tu es naki ou bar levav. Naki ou bar levav, c'est-à-dire que du moment où tu n'as pas, où tu as quelques ratson qui soient d'autres choses que le émet, ça y est, tu es mort, tu es cramé. Ne serait-ce que demander un hamor pour venir, si on me paye le taxi, j'exprime un ratson ici, ouais, automatiquement ce ratson peut être compromettant pour la recherche du émet que j'ai. Non, Rabbeinu. Il ne doit pas avoir de condition dans ma volonté de servir Hachem. Aucune condition. C'est pas genre, je suis prêt à tout, mais à condition. Ah, ça y est, c'est mort. Tu as dit à condition, c'est mort. Tu as mis une condition, c'est mort. Pour ça, les chachamim disent comme ça. Pava melar tocha varestishan. Umaibam solatishte. Vechayet sa'artirye.
Ken, im ta'ase ken, ashrecha ba'olam haze v'tov lach ba'olam haba. Il demande les Baalei Moussar, ashrecha ba'olam haze, je comprends pas. Tov lach ba'olam haba, je comprends. Ashrecha ba'olam haze, chayet sa'ar tichye, ma'im ba'am sola tichte. On peut dire ashrecha ba'olam haze. Un bonhomme, Habibi, que sa vie, elle est comme je viens de vous dire maintenant. C'est-à-dire que le bonhomme, il est marié avec des enfants, il vit rabota et la misère. Et cette misère qu'il vit rabota, il la vit réellement, c'est pas un dimion, il vit dans cette misère. Et au point de vivre, pas de vamela tochal, à la resishan, il peut pas se payer des meubles, il n'a pas de quoi acheter des lits à ses enfants. Ok, sur quoi ils dorment? Sur des matelas qu'ils ont récupérés à la poubelle de l'autre côté, ils ont un peu nettoyé, ils dorment là-bas, ou des couvertures par terre. Et ils dorment en masse de cette manière. Mais chayet sa'ar tichye. Chayet sa'ar tichye, c'est je ne sais pas ce qu'il y aura demain. Je ne sais pas comment on mangera demain. Et les chachamim te disent, ici, comment dire, la recette, comment on devient ben Torah. Le bon cher Olam, alors tu vas dire, attends, mais ça ne peut pas être autrement. On ne pourrait pas arriver à la même chose avec une vie plus agréable, dans des meilleures conditions, avec une maison, confortable, avec un petit jacuzzi. Bon, même s'il n'y a pas, ce n'est pas grave. Il y a les baignoires quand même. Il y a l'eau. Il y a le mazgan. Ça, s'il n'y a pas de mazgan, on va crever. Petite mazgan. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de choses superflues à Boltaï. On parle de choses que le bonhomme, il te dit, il faut ça. Et s'il n'y a pas ça... Une fois, un bachou est venu voir le sniper. Bah, le vacant a assez peur, et c'est sur l'auto, et ça, à la chlata le chidour. Il devait prendre une décision pour le chidour, parce que la fille l'a rencontré 4-5 fois, et il faut prendre une décision. Maintenant, c'est. Chidourim, c'est pas un flirt, c'est pas la drague. Tu dragues un an, deux ans, se marie, et un mois après, on divorce. C'est pas comme ça. Ici, on la rencontre 3-4 fois, après, on vit 120 ans ensemble. C'est Nes Galouille. Il la connaît même pas. Il a parlé avec elle, quelques heures avec 3-4 bijotes. Il s'est marié avec elle. Ils ont fondé un foyer. Mais qu'est-ce que tu sais d'elle? Mais va savoir ce qu'elle t'a dit, ce qu'elle t'a pas dit. Mais va savoir ce qu'elle a dû te cacher. Et qu'est-ce qu'il y a derrière encore? Et les surprises que tu vas avoir demain. Et c'est incroyable, mais vrai, à Botan. Les mariages qui tiennent le mieux aujourd'hui dans le monde, c'est cela. Et tous les autres, Ama ou Lobo, l'ont mis, t'as fait le FBI. Tu sais, FBI. Les regrets que j'ai vécu avec elle pendant 2 ans, maritalement, ensemble. Je l'ai vu respirer, je l'ai vu vivre, je l'ai vu au lit, je l'ai vu dans tout, je l'ai vu dans les disputes, je l'ai vu dans les conflits, je l'ai vu dans tout. Et on a décidé de se marier. Zama, c'est-à-dire, là, il est bari de bari. Bari de bari, parce que là, genre, il a toute la tmouna complète. C'est pas un chidour, un petit oui, parce que chidour, tu vois, il te fait des sourires et te dit. Oui, 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 la Torah, j'aime la Torah. Mais, attends, mais je veux être un lavraire. Oui, oui, un lavraire, oui, c'est exactement. Oui, mais je veux dire le gado. Oui, ah oui, le gado l'adore, oui, tout à fait. Madame Zolova, tu sais ce qu'elle veut dans la tête? C'est pas où elle est. Le lendemain du mariage, elle va dire, Taro, on n'a même pas de voiture. Je dis, mais je suis un avraire, moi. Mais quoi, avraire, c'est quoi? C'est contradictoire que la voiture. Elle n'a pas de casse, elle n'a pas. On peut avoir une voiture quand même. Alors, oui, mais je gagne 2000 shekels, pas moi, comme tu achètes une voiture. Eh ben, tu vas travailler. Mais c'est parce qu'on a convenu. Ah, ben, je veux la savoir. Shalom Bayit. Hein? Alors? Et le bonhomme siffle, allez, pour Shalom Bayit, il va devenir un cordonnier. À cause de qui ça? Voilà, comme Zoloba, il y a cause des non, il y a mieux que ça. À cause des rabbanim qui m'ont envoyé en Chido. Voilà. Moi, je savais, mon oncle, il me l'a dit. Il m'a dit quoi? Il faut la connaître, la fille. Elle m'a la saute. Sors avec elle, fréquente-la, vis avec elle en concubinage, vis avec elle, mais tu la vois sous toutes ses coutures. Quand elle s'énerve, quand elle pleure, quand elle rigole, comme elle est dans le lit, comme elle est là, tout, comme elle fait la cuisine. Là, tu sais même pas si elle sait cuisiner, bien sûr. Elle va savoir ce qu'elle va te faire. Elle va même pas savoir te faire un nouveau plat. Comment tu vas faire? Tu vas appeler ta mère à chaque fois? Maman! Je dis, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Mon fils, qu'est-ce qui te fait du mal? Dis-moi, mon fils, je la tue, Bon, allez, tu rigoles, quoi? On fait pas, on rentre pas dans des choses comme ça. C'est des plans de fous, ça. C'est quoi ces plans-là? C'est quoi ces plans d'Indien, là, de se marier de cette manière-là, comme ça? Elle va vite. Même pas tu la connais, même pas tu la vois. Il est marrant. Mais il faut la fréquenter. Et tu vas sur le terrain. 2 ans, il a fréquenté. Une semaine après, il a divorcé. La il a vu 4 fois et 120 ans, il vit avec elle. Quand tu vois de là, c'est pas comme ça que ça marche. Non, on croyait que c'est comme ça que ça marche pas comme ça. Attends.
Bikitsour. Je reviens à mon histoire. Donc le Bachour, il va voir le Stapeler. Il a une Shela. Il est sorti avec une fille, une bonne fille, un bon séminaire, bonne qualité, tout va très bien. Bouchon, il est arabe, kilo, et ça, malasot. Alors le Rav lui dit, tiens, un safek. Alors il dit, non, tout va très bien, un petit safek. Ma safek, comme il lui dit. Il lui dit, c'est un petit safek. Ma safek. Quand je lui ai dit que nous, on a le minak Shabbat de faire le kugel, vous savez, c'est quoi le kugel? Ouais. Kugel, le kugel. C'est le kugel. De faire le kugel, ouais. Elle m'a dit, ah non, non. Tout, mais pas ça. Moi, un kugel, il n'y a pas le kugel. C'est ce que c'est la skanza comme lui, mais elle ne veut pas. Pourquoi? Elle va savoir pourquoi. Elle ne veut pas le Google. Elle dit, il y aura tout, il y aura le kefel tefish, il y aura tout ce que tu veux, voilà. Mais le Google, il n'y a pas. Alors, le sapeur leur dit, s'il n'y a pas de Google, tu arrêtes le chinois tout de suite. Cette histoire, quand on l'a entendue, parce que moi, j'étais à cette époque-là où cette histoire elle s'est diffusée, on était tous rabotaille, scotchés. Mais c'est scotché, la colle U à la glue. C'est le macat rocher. Fait le macat rocher, quand c'est comme le macat rocher, il ne bougeait plus. Hein, il était en train de sauter à la corde, il est resté comme ça pendant une semaine en train de que la macat s'arrête. La belle rabote. Donc c'est-à-dire que. On ne comprenait pas. Le stapeler. Quoi, le stapeler, vraiment, c'est ça l'histoire. Et bien on s'est renseigné, on a pris des renseignements, on a demandé. Caral et Caral, c'est quoi? Le stapeler, il dit, si elle a dit qu'elle n'est pas prête à faire le Google, tu arrêtes le chino. Ma pchat, c'est quoi le pchat? Alors bravo, on a été vérifié, on a demandé, la date biyukma alma velama, bekoule, makara, miouze, vezeu, makara là-bas, masibo. En fait, c'est le Pédar, il a dit un histoire d'Atsou. Il a dit comme ça. Si on parle d'un mariage laïque, ouais, où là-bas il y en a à boire et à manger, le kugel, c'est le dernier de notre problème. C'est le dernier des soucis. Il n'y a pas de kugel, il y aura autre chose. Au contraire, on va l'encourager, on va lui dire. Ati Makpid, t'as viré la midote, mazé Google, ch'touyot. Nous, on croyait que là aussi, il devait dire comme ça au monde. Mais là, dans un mariage, c'est comme ça qu'on parle. Mazé Google, il y aura une chose, il va t'offrir un diamant, un charme Israël. Mazibo, Makara. Makara, il mène Google. Ça, c'est bien dans un mariage laïque à Boudaï. Mais quand on est dans un mariage avec des arachim shel Torah, arachim shel Torah, rabotai. N'ayez pas peur du moins que je vous dire, c'est pas péjoratif, hein, attention. Moi j'ai peur avec les jeunes d'aujourd'hui. C'est pas comme avant. Hein. Non, je fais une confidence. Avant, je parlais en cache. J'avais pas peur, je sentais les mots, mais il n'y avait pas de censure. Ce que j'ai envie, je disais. Je me sentais, comment dire, libéré. Ouais, honte de rien, boucha de rien. Ce que j'ai envie de sortir, je sortais. Aujourd'hui, vous vous rendez pas compte combien je fais attention à chaque mot que je dis. Et avec tout ça, je sors des mots qu'il faut prendre. Mais je fais attention à chaque mot que je dis. Tellement que les dorotes, ils ne sont plus les mêmes. Bon, alors là, je vais dire un mot, mais j'espère qu'il va être bien pris. Qu'il va être bien pris. Quand on est dans un mariage laïque, dans un mariage comme ça, comme là-bas, le kugel, on va le calmer. Bon, prends un petit karmaïm karim, bois un verre d'eau fraîche et va te calmer le kugel. C'est ça ton safek, va dormir. Je vais t'expliquer quoi les smikotes. Tu vois, avec le kugel, ça va pas bon. Par contre, quand tu es un mariage, béné Torah. Un mariage ben Torah Rabotai, il est basé sur le sacrifice. Il est basé sur le sacrifice. C'est ça le mot que j'ai peur de dire, mais sur le sacrifice. Bad va mener à Tochal, à la restichan, baïman sura tichte, chayet sa artirie. Un mariage ben Torah, où une fille te dit je veux marier qu'un avrir, mais qu'elle est prête à aucun sacrifice, même le kugel, arrête tout de suite. Pas parce que c'est le kugel qui me dérange. Le kugel ne dérange pas. Une fois, la femme du Stapeler, elle n'a pas fait le kugel. Voilà, pour que tu vois que ce n'est pas une stira. Parce que tu vas dire, non, il y a un problème. Stapeler, Scaneri, il avait négué avec le kugel. Voilà le problème. En sadik baale sa chère le héta. Et voilà, on les attrape un par un. On les attrape, hein, le rabbin. Soi-disant le grand rabbin. Voilà, et voilà, pour le kugel, il a dit d'arrêter le chidour. C'est pas péché, dis-moi. Non. Le Stapeler, une fois sa femme, il n'a pas fait le kugel. Et sa femme, elle était mal. Pas elle était mal parce que le Stapeler est makpid. Stapeler, Bichlal, il est dans sa Torah, il est makpid de rien, Bichlal. Comme un tout miklum, tu peux lui donner à manger, c'est même pas ce qu'il a mangé. Et il n'est pas là, Bichlal. Et ça dit que c'est son drôle. Et une fois, sa femme, elle dit,
Mechila Bani Yakar, j'ai pas pu faire le Kugel. Alors s'il te plaît, comme ça, il s'arrête comme ça. Et elle se demande qu'est-ce qu'il y a. Dans quel Yayoun il est là. C'est tout du Yayoun. Regarde autour de lui comme ça. Puis Tom, il prend la chala. Zia Kigel. Continue. C'est ça le coup. Alors, sa femme, elle n'a pas compris. Macara. Bon, je suis beau aussi, c'est diffusé. Vas-y, Kigel. C'est quoi ce misrak là? C'est pas Kigel, c'est la chala. C'est chala, c'est le Kigel. Tu vas dire Kigel. Le pshat, mon gars. Le pshat, c'est qu'en fait, Hayet Sar Shirye, ça veut dire, à Kigel l'homme à Kev. À Kigel l'homme à Kev. Choum d'avoir l'homme à Kev. Ziyaya Kigel. Vous avez compris le sort du stapler? C'est ça le sort du stapler. Et d'avoir chez Meakev. Et ça, c'est ce qu'il voulait transmettre à sa femme comme message. Tu n'as pas fait le Kugel? Si j'étais mal avec ça, Ziyaya Kigel. On n'est pas là. On n'est pas sur des choses qui m'agvinent. Si quoi que ce soit met à Kev, comme étant un ratson, j'ai le ratson de quelque chose. Je suis prêt à tout, mais il me faut ça. Je suis prêt à tout, mais à cette condition. Je suis prêt à tout, mais pas ça. C'est fini. À partir de là, tu n'es plus l'équipe. Tu n'es plus Naki ou Barleva. Il n'y a plus Me'ale Berachem. Me'ale Berachem, Niki Kapay ou Barleva. Niki Kapay ou Barleva, c'est-à-dire que je n'ai qu'un ratson. Comme il a dit dans les Abénoculos. Et l'Irotse et la Torah Bilvad. Tous les fachines demandent pourquoi il ajoute le mot Bilvad. Et l'Irotse et la Torah, pourquoi il ajoute le mot Bilvad? Vous avez vu en Israël quand ils font l'échec? Vous connaissez l'échec en Israël? Hein? Comment ils marquent? Mea Shekel, Bilvad. Vous connaissez ça? En France, ils ne font pas comme ça. En France, ils vont mettre 500 euros seulement. Personne ne marque seulement sur l'échec. 500 euros, non. En lettres, en chine, il mange beau. Ici, non, il te marque 100 ou 200, je ne sais pas la somme qu'il met, Bilvad. Ah, tu vas dire pourquoi? Tu vas dire, bon, bien ça, parce qu'il a peur qu'on va ajouter des trucs. Ça va, fais un trait. Fais un trait jusqu'au bout, comme ça, il ne peut rien ajouter. Et s'il ajoute, on va voir qu'il a ajouté, parce qu'il y a un trait. Pourquoi tu ajoutes Bilvad? Il dit le lève Iliaou. Il dit à Bilvad, ou ben les maettes. Viens les maettes, vas-y les maettes, c'est-à-dire exclure que ça et rien d'autre. Que ça et rien d'autre. Alors quand on a Tavat Mamon, ouais, comme les Juifs, ouais, on aime l'argent. Alors nous, on est le seul peuple au monde, on marque Bilvad. On aime l'argent. Et pas pour rien qu'on t'a dit, si tu aimes la Torah comme l'argent, tu vas devenir un gazon. Il faut aimer la Torah comme l'argent. Et lui, Rabbi Elazar ben Kelos, qui avait tout ce qu'il voulait dans la vie. Il dit autour de lui, la Torah Bilvad. Je veux que la Torah. C'est-à-dire que ça, rien d'autre. Du moment où un homme Rabotai a d'autres et de son autre. Du moment où un bon homme Rabotai se rend compte qu'il ne peut pas se passer de quelque chose. Attention, ne vous prenez pas. Bon, il ne faut pas vous tromper sur les paroles. Vous trompez pas. Il ne faut pas vous tromper sur les paroles. Je ne suis pas en train de dire, maintenant que Kaviachol, tu vas t'enfermer du matin au soir et tu ne vas plus rien faire. Il n'y a plus de foot, il n'y a plus de tennis. Non, chaque chose en son temps. Tu es jeune, tu as besoin de ça. On ne parle pas de ça. Macha tatsarir à tatsarir. Moi, je parle de choses qui ne sont pas tsarir. Ils sont rotsés. Ça n'a pas rien. Il y a rotsé, il y a tsarir. Macha nisarir à nisarir. Ça, il n'y a pas à discuter là-dessus. L'homme, il va crimaser. Mais on parle maintenant de ce que tu es rotsé. Ani rotsé. Ani rotsé glida. Ani rotsé chocolat. Ani rotsé tioul. Ani rotsé latzet. Ani rotsé. Ça rire, matin ça rire, kodesh kodashim. Kodesh kodashim. Le chol devient kadosh, si c'est ça rire. Mais quand c'est rotsé, c'est pas kodesh kodashim, c'est avi avot atouma. C'est avi avot atouma. C'est la stira minoubé avec ton ratson de la Torah. Tu ne peux pas vouloir la Torah et vouloir autre chose en même temps à côté. Tu peux avoir besoin d'autre chose, mais pas vouloir autre chose. Du moment où tu veux autre chose, ce vouloir d'autre chose est pour game dans ta nikiyut, et pour game dans ta shlimut, pour pouvoir monter à la rachem. Tu vas pouvoir monter, mais tu ne montreras pas mi aller. C'est ça la question de David Amer. Mi aller vers la rachem, ou mi akum bim kum kocho.
C'est quoi la couchade sous moi qu'il a David Améris ? M'y aller ! M'y aller, on y aller. Ils vont monter, on va monter. Tout le monde va monter. Moi, c'est m'y aller. Coula, m'y aller. Non, il sait très bien que c'est pas Pachout. Il sait très bien, David Améris, que. Non, l'autre, Abeyalou, Miyakoumim comme Kocho, qui va pouvoir rester là-haut. Mais qui capable de parler va. C'est ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est en train de crier ici à Hachem, n'écoute pas son truc, n'écoute pas ses prières roulées. Mais qu'est-ce qu'il met en avant pour pouvoir revendiquer quelque chose? Pour pouvoir dire à Hachem, Ani Shalem, Baba Kacha Sheli. Tu peux m'écouter, Bolorlam. Ani Shalem. Prouve-moi que tu es Shalem. J'ai pas demandé le taxi. C'est en dessous. C'est puissant, en fait. Comme c'est la fille Shimshon. Shimshon, comme les Zolobim des Palestiniens là-bas, depuis la Sala, depuis l'époque, on a les Palestiniens sur le dos. Les Palestiniens, ils l'ont attrapé avec Zoloba de Dalila, ouais, qu'elle lui a demandé c'est quoi son secret, sa force au collège, qu'il a dévoilé, c'est sa Nézirut. Et donc, ses cheveux, c'était ça le Ikar. Et là-bas, il a fait une coupe de cheveux. Kara, ouais. Kara, il a fait. Et donc, à cause de ça, le Ralenou, comme ça, ils ont pu l'attraper. Ils l'ont mis sur une arène là-bas où il y avait tous les Palestiniens. Ils l'ont mis sur une arène attachée comme ça, avec des cordes, pour le tuer. Et lui, à ce moment-là, il a demandé à Hachem, Razekounina, Rakapa Amazout, donne-moi le cours cette fois-ci. C'est la prière qu'il demande à Hachem. Il demande à Hachem de lui donner une force de pouvoir enterrer tout ce qu'il y a devant moi là. Faire ici un Betakvarot. Mais non, il sait très bien que cette prière, elle n'est pas pshuta. Pourquoi? Parce que tu as fait de quoi? Tu es Hachem, tu es responsable de ce qui t'est arrivé. De quoi il se sert pour que sa prière soit écoutée? Il se sert en disant, j'ai jamais demandé à qui que ce soit toute chose que je pouvais faire par moi-même. Je pouvais prendre le verre d'eau moi, je n'ai pas demandé qu'on me l'amène. Je pouvais aller chercher la Gemara moi, je n'ai pas demandé qu'on me l'amène. Je pouvais moi faire ça, je n'ai pas demandé qu'on me le fasse. Shimshon se vend de ça. Et grâce à ça, Hachem écoute sa prière. C'est quoi cet argument en bouteille? C'est Niki Kapaim ou Marlevav. C'est-à-dire que Hachem est sensible à l'anikiout. Quand tu mets en avant l'anikiout, Bolorem il craque. Il craque même s'il y a une xéra. Pourquoi Tzadik Rabotai mevatel xérot? Pourquoi Tzadik il a la force d'être mevatel une xéra? Parce qu'il est Niki Kapaim. Ou pas mikroch anikiout chez l'eau. Niki, c'est tellement chazak dans ce monde Rabotai. Dans un monde pervers dans lequel on vit. Avec le shoha, le sheker, l'ignanim. C'est tellement puissant Rabotai que Bolorem Kavirchot, quand il entend un Tzadik demander quoi que ce soit, et qui vient mikroch anikiout, Hachem, mais va-t-elle xéra? Il m'a tzadim me vakesh. C'est-à-dire que le travail, il est là-bas, Rabotai. Le travail, c'est un travail de travailler ma mâche sur ses rétsonos. De savoir faire un tri dans nos têtes. De vivre dans le tsarir. Ne fais pas des khumrot. Ne sois pas mahmir. Al-tahmir al-asmira. Mâche al-tasir al-tasarir. Surtout pas de faire des khumrot. Parce que les tsarir, c'est comme ça qu'ils chopent les bonhommes, qui fait des nœuds aux bonhommes qui veulent travailler dans la nikiout. C'est son coup favori, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il te fait confondre le tsarir avec le rosé. C'est, il travaille en vert. Il fait comme ça. Chez toi, c'est tout rosé. C'est pas de tsarir. Tu as vu le coup qu'il t'a mis déjà là? Chez toi, c'est tout rosé. Donc, tu as entendu la sirène Moussa? Donc, ça y est, maintenant, il faut tout enlever. Il faut tout enlever. Parce que tu ne peux pas être naqui comme ça. Maintenant, le boulot, il ne sait plus repérer maintenant le tsarir rosé. C'est très loin total. C'est un salade russe. Alors, maintenant, qu'il va faire? Ben, ça fait que Dorita la Khomra. Donc, c'est tout ça. Donc, je m'interdis tout. Il n'y a plus de foot. Il n'y a plus de manger. Je ne mange plus. Je ne bois plus. Je bois que quand je tombe par terre. Je mange que si je vais m'évanouir. Je dors que si je vais ramper jusqu'au lit. Et après, je m'endors sur la route. Et combien de fois on m'a ramassé ici. Comme ça, le bonhomme, il va se dire. Oh, il va voir, il ira. Ça, c'est un coup de Sarah, mais à te tuer tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Macha nisarir, anisarir. Ce que j'ai besoin. Le hasard cloum. Moi, je me rappelle, c'est bien, je faisais du sport. Moi, j'étais un sportif, j'aimais faire du sport. Et il y avait un ancien là-bas. Un ancien. Il m'a mis une tarte. Pas une tarte, ce genre. Il m'a dit, tu crois que c'est comme ça qu'on va devenir un gadol? Tu vas devenir un sportif, mais pas un gadol. Il m'a mis une tarte. Je venais d'arriver, c'est ma première année à l'Ishiva. Il m'a tué, j'allais mourir. Parce que moi, je peux pas sans sport. Et de l'autre côté, j'étais sensible, ça m'a sensibilisé ce qu'il a dit.
C'est quand tu arrives, tu as le feu, tu veux grandir, etc. Il te dit comme ça, tu deviendras un sportif, un gadol. Waouh, il m'a tué. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté. Plus de sport. J'ai arrêté catégoriquement. Attention, j'étais un grand sportif. C'est pas un genre comme ça, comme il faut faire là-dessus. C'est un sportif, sorcier. C'était quelque chose, je m'investissais beaucoup là-dessus. Donc, voilà. J'ai arrêté. Un fracking, il m'appelle. Yosef, bon, il est là. Il dit, bon, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Fracking, on avait peur. On tremblait de peur de lui. Quand il nous appelait, c'est pas. Il t'appelle pas pour dire comment ça va, mon fils. Moi, je comprends. C'est pour te mettre une tasse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait encore? Il dit, pourquoi tu fais plus de sport? Dis quoi? Pourquoi tu fais plus le sport? Il m'a scotché. Il m'a scotché d'abord, mais comment il sait que je fais le sport? Incroyable. Il observe tout. Il dit, ben, non, parce que c'est Bitoul Torah. Qui l'a dit Bitoul Torah? Non, rien. Je ne veux pas dire c'est l'autre. Je vais pas l'égorger. Si tu... Vous voyez comme j'étais énervé là. Je dis, bon. Il dit, non, non, j'ai étudié comme ça, j'ai compris que c'est Bitoul Torah. Tu as mal étudié. Tu n'as pas Bitoul Torah, les sports. Tu as besoin ou tu veux? Comme s'il me dit. J'ai besoin. Tu as besoin tout de suite. Retourne le sport. Il dit quoi? Comme avant, autant qu'avant. Autant. Il dit, as besoin plus, plus. Il dit, même si tu restes une heure pour étudier, une heure pour étudier. Waouh. Là, j'ai pris la deuxième claque. Ça va dans le sens, il m'a redressé là. Il m'a redressé. Qu'est-ce que j'ai compris ici? J'ai compris qu'on ne joue pas. On ne joue pas avec les besoins. On joue avec les rossets. Avec ça, on joue, mais là-bas, on coupe les têtes. Mais on ne joue pas avec les besoins. Donc, c'est-à-dire, ce qui est besoin, c'est besoin. On ne s'amuse pas avec ça. Pas de roumlote, pas de hidourine, pas d'excès de vitesse, pas de chigaon. Mâche et sarir, sarir. Et de cette manière, tu vas monter sur la montagne d'Hachem. Parce que ce qui va déranger pour la montagne d'Hachem, c'est pas mâche et sarir. C'est mâche et rossé. C'est-à-dire tes retsonot, tes caprices, tes gnani, tes ch'touyot, tous les trucs qui sont pas de sarir. Il faut beaucoup d'honnêteté pour ça. Attention, il faut être très mitié avec soi-même. Il faut beaucoup se conseiller avec ses rabbanim pour décortiquer, parce que des fois, c'est dark. C'est très dark, des fois. Parce que quand c'est grossier, ça va, on voit tout de suite quand c'est grossier. Des fois, c'est très dark. On se perd là-dedans. Donc pour ça, il faut être très, très émiti. Mais en tout cas, c'est les sortes qu'on voit ici. Mon cher Abbé, nous vous rendez compte, s'il n'avait pas l'argument de dire « j'ai pas demandé le taxi », pour que pour lui, ça s'appelle un ratson. Ça s'appelle un rossé, ça. Pourquoi? Parce que j'ai un îlot de sarir. Et que peut-être, par principe, j'aurais demandé, comme c'est normal. Attends, je suis pas un pigeon. Pourquoi c'est moi qui ai appelé le taxi? Parce que j'ai un îlot de à ta sarir? Non? Ah ben même, il y a un îlot de sarir. Il chronie, par principe. Ah bon? Pas de problème. On va pleurer. Mais la montagne d'Hachem, oui. Ça fait peur, Rabotai. C'est ma fride. Ma fride, comment les conditions, Rabotai, pour devenir, maman, j'ai un tamit racham, pour devenir un juif digne de ce nom, Rabotai. Ça demande une abondance, c'est pas du folklore, c'est l'autre stroke, Rabotai. Mais de l'autre côté, on te prive de rien. Attention, la Torah te prive de rien. Ce que tu as besoin, mais sans limite, sans limite. Mais ce que tu n'as pas besoin, touche pas. Touche pas ce que tu n'as pas besoin, parce que l'Etzara, c'est là-bas qu'il te tape. Maintenant, l'Etzara, quand il voit que tu commences à travailler sur ça, hein, ouais, il commence à t'embrouiller. Il te commence à t'appeler, Tsarir, Otser, Otser, Tsarir, il te fait une chalouette, il te fait une salade là-bas. Et toi, tu commences à faire des nœuds, et là, tu te perds, à ce chalot. Donc, il ne faut surtout pas s'embrouiller. Tu as un safek, demande ton rab. Tu as un safek, tu as un safek, tu as un safek, tu as un safek. Je vais me faire un safek. Amen. 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 Am